Si tu veux des points FIFA pas chers et des crédits FIFA pas chers, va sur Gold to Hot et t'as 3% de réduction avec le code Overtake. Alors salut à toutes et à tous, c'est Overtake, on se trouve pour une nouvelle vidéo sur FUT 17, hein, comme d'habitude. Je sais pas pourquoi à chaque fois je dis sur FUT 17, c'est je précise. Enfin bref, j'espère que vous allez bien, moi du moins ça va, hein, on est là. On se trouve pour la présentation d'une petite équipe, hein. De toute façon vous aurez vu je pense au nom de l'équipe, au titre, de la vidéo et à la carte violette, il s'agit de Villa DCE, hein. Une dinguerie ce joueur, une dinguerie, je n'ai rien à ajouter à ce sujet. Après voilà, il y en a, ils vont me dire pourquoi tu l'as pas fait en vidéo le DCE, nanana, tu nous as pas fait de défi création d'équipe sur la chaîne, je sais pas quoi. En fait je l'ai fait à la dernière minute, genre il restait... je crois même pas une journée, oui, il restait une journée. Je l'ai fait en live et je me voyais pas le mettre sur la chaîne YouTube. Alors que je l'ai fait en live un jour avant qu'il soit fini, c'était creux, tu vois. J'allais le mettre, vous aviez 24 heures. Surtout qu'il y a énormément, oui, avant de commencer la vidéo, je tiens à dire énormément de bugs YouTube, que ça soit aux par rapport aux abonnements YouTube, comment ça s'appelle, le flux d'abonnements, justement, vous voyez les vidéos de vous à qui vous êtes abonné. Comment dire, les notifications, tout ça. Donc allez vérifier que vous êtes encore abonné à ma chaîne. Ça se trouve là, il y en a plein, ils sont plus abonnés ou j'en sais rien. Activez bien les notifications, vérifiez bien que c'est activé les notifications. Parce que voilà, je vois, j'ai bien vu au niveau des vues, hein, par rapport à ça, que voilà, ça avait baissé d'un coup. Donc je constate vraiment qu'il y a le souci, hein. Et il y a des viewers, enfin des abonnés qui me l'ont dit sur des lives, que voilà, ils avaient plus de notifications, ils me voyaient plus dans leur flux d'abonnement. Enfin voilà, des gros bugs YouTube, hein, que j'espère d'ailleurs que ça sera résolu très prochainement. Et en plus il y a là les youtubeurs qui en parlent. Enfin bref, hein, deux minutes déjà que je parle par rapport à ça. On n'est pas là pour parler chinois. Voilà, un petit espagnol les frères, hein. Pas besoin de rentrer dans les détails de chaque joueur. Juste, on va juste regarder le petit bilan de Villa, hein. 10 matchs, 12 buts, une passe D. Rien à dire. 4 étoiles de gestes techniques, 5 de mauvais pieds. En plus, on ressent même pas ses 75 de vitesse. On dirait vraiment qu'il a plus. C'est une dinguerie ce joueur. Donc voilà les gars, c'est très simple. On va lancer un petit match maintenant. Hein, on va pas parler chinois. C'est une petite espagnole. Hein, vous avez vu le bilan de Villa. Il est monstrueux. 10 matchs, 12 buts, une passe D. Il n'y a pas besoin de parler chinois. On va partir faire un petit match. En espérant que Villa soit fameux, parce que cette vidéo, elle concerne pas l'équipe en soi, elle concerne Villa. Villa ou Villa? Je sais pas, les commentateurs disent Villa, moi j'entends Villa. Vas-y, je suis perdu, perturbé. Nouveau maillot là, plus beau maillot du jeu. Plus beau maillot du jeu. Maillot là, avec le DC. Plus beau maillot du jeu, clairement rien à ajouter. Je sais pas vous si vous avez un truc à dire, mais rien à ajouter, clairement. Et là, un petit hybride, clairement, à base de Serie A, Première Ligue. Enfin, Calcio à Première Ligue, hein. Sorry. Mais, moi, je me casse sa bouche. Bref, non, je rigole, je vais me faire niquer ma grande race. Ça fait un moment, d'ailleurs, j'ai pas gagné de match, hein. Ça ferait du bien. La frappe était plutôt puissante. Et quel Charaoui. Casillas par contre ça va, il fait le taf, hein. On sait pas Casillas s'il était bien, ça va. Je pensais Casillas s'il était dégueu, hein. Mais non, ça va, il gère. On commence avec la dalle pendant que certains ont fini sans lâcher. Yo, je vous ai dit quoi les frères? Tu tires de n'importe où. Tu tires n'importe où. La balle rentre coûte que coûte. C'est le dicton de David Villa. Tire du milieu de terrain, vise les gradins, la balle rentrera. Tel est le dicton de David Villa. Vise du milieu. Bref, c'est bon, là je force. David Villa, hein, vous l'avez vu. Les frères, j'ai même pas mis de puissance dans la frappe, elle est rentrée. C'est la balle, je pense à la balle. Pense à la balle, tu vois. Contrôle la balle, tu vois. Tu dis lucarne, la balle va lucarne. Tu dis poteau rentrant, la balle fait poteau rentrant. Tu lui dis gauche-droite. Non, c'est bon. Voilà, non. Franchement, je vous invite vraiment, même limite à faire la même équipe que j'ai fait, là. C'est une petite espagnole, tranquille, après, voilà. Chacun peut changer ce qu'il souhaite à cette équipe. Voilà, moi, j'ai fait avec des petits joueurs qu'il y avait dans mon club, tu sais, je voulais même pas investir. Je vais aller, petite espagnole. Voilà, j'ai vu que j'avais beaucoup d'espagnols, notamment Isco, tout ça. J'ai pas cherché à parler chinois, mon frère.
Vas-y, David Villa, regarde. Tes mains. Allez, j'ai dit quoi? On le fait rage quit ou quoi? Eh, au minimum 100 likes, les frères, si je le fais rage quit. Même si je le fais pas rage quit. Hein. Non, je rigole, tu likes si t'aimes bien la vidéo. Ah, parce qu'après, on va se faire passer pour des forceurs. Mais pas des forceurs, chien. Mais Théma, David. David, poteau. On a dit, tu montes ta puissance. Mais avec calme. Parce que là, la vidéo, elle me fait de la peine, le frère. Eh, les deux tentatives. Là, on entend ma soeur à crier. C'est pas grave, c'est la famille. Bref, les deux tentatives de tir que j'ai eu avec David. Hein, regarde. Non, Lina. Non, rentre pas. Ma soeur qui rentre en pleine vidéo. Oh, je suis mort, les frères. Oh là, il fallait rentrer. Qu'est-ce qu'il y a, Lina? Bon, on va mettre. Non, reste là. La petite soeur, les frères. C'est pas grave, tranquille. On va couper. On va pas couper sur le montant. Bref, attendez, dès que j'ai la balle, je m'épose. Non. Ouais, j'ai fait un cri de merde. Fin du game, 2-0. Écoutez, déjà que je suis nul. J'ai marqué 2 buts avec Villa. Casse-moi pas la tête. Tu vas le délire ou pas? Tu vas le délire, j'ai pas de niveau. Je marque 2 buts avec Villa. Venez pas me demander midi 14h. J'ai pas de level. Enfin bref, parce que voilà, j'en connais plus d'un, ils vont venir dans le chat. Ratio, oui, ratio de merde. Moi, je l'assume, c'est pas comme les youtubeurs là, c'est. Ils cachent, ils mettent un overlay là. Moi, je m'en bats les reins. Même j'aurais 30 matchs de gagner et 100 défaites, je m'en bats les reins. Enfin bref, parce que je sais très bien, je vais m'améliorer. Vous allez voir. Bon, allez, j'ai envie de faire un pari, mais c'est dangereux. Crary, genre, j'ai au moins 100 victoires d'écart avec les défaites d'ici à la fin de FIFA 17. Mais c'est faisable. Mais c'est mieux, on parle pas de ça. C'est mieux parce que je vais me porter les. Enfin, bref, les frères. Moi, je vais vous laisser. Comme d'hab, n'oubliez pas de lâcher votre petit pouce bleu si la vidéo vous a plu. Commentez, partagez. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez du David Villa, hein, qui nous fait du sale. Je vous ai dit, c'est un joueur monstrueux. Je le dis et je pense que. Je me suis pas trompé, hein. Donc dites-moi ceux qui l'ont fait, qui le trouvent monstrueux, qui voilà ce que vous en pensez dans les commentaires. Comme d'habitude, ouais, si tu veux lâcher un petit dislike, lâche ton petit dislike parce que t'as pas aimé tout simplement, hein. Et puis moi je vais vous laisser comme d'habitude. Prenez soin de vous et de votre famille, c'est plus important. Sur ce, ciao les gens, c'était Overtake.